L'homme tient l'argent. On ne donne la parole qu'à l'homme tient l'argent. Donc, si vous avez l'argent, faites-moi confiance, vous êtes un Dieu, parce que la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et l'argent répond à tout. Donc, tous ces hypocrites que vous voyez, ces enfants mal élevés, qui se lèvent le matin et qui disent « Tu vas mourir là, tu vas partir avec l'argent », ce sont des hypocrites, c'est des bâtards spirituels. Ce sont des personnes qui n'ont pas de vie, parce que lorsqu'on meurt, on laisse l'argent à ses héritiers et à sa descendance pour qu'ils fassent aussi le boucan. Donc l'argent est une chose importante parce que c'est la seule chose qui a la capacité de faire rire et de faire jouir la femme. Ce soir, à partir de 20h GMT, 22h de Paris, j'ai un message extrêmement radicalement dangereux que je prendrai le soin de donner en tant que le meilleur coach. Vous savez très bien qu'en stratégie de réussite, avec ma large en bouche, personne ne peut défier le danger comme des pasteurs, puis de haut, l'homme tombé du ciel sans blessure, le terminé sur des Christiapi, il a attrapé les testicules de Christiapi, il a menti. Bon, bref, ma couche va parler ce soir. Voilà, parce que je suis un père. Tout le monde sait combien de fois ma famille était une femme heureuse. Les gens bavent, mais quand on te regarde les photos, les femmes là disent si je pouvais avoir un mari comme ma couche, il allait me faire rire, il allait vraiment m'honorer devant le monde entier. Bref, je sais que ton mari c'est un couillon, ton gars même c'est un animal. J'ai vu une vidéo ce matin où plus une affaire de montre. Il y a un gars qui tabasse sa copine en pleine rue. Ce soir vous allez voir la vidéo, 20h, je vais vous révéler les 10 secrets les plus dangereux pour rendre sa femme heureuse. Les hommes, les maudits, là. Vous allez vous asseoir ce soir et tirer vos testicules un peu. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes quand même qui sont quand même sérieux, qui m'appellent, qui me disent, mon général, j'aimerais savoir quel était le secret. Ta femme était une femme bien soumise, douce et haute. Mais quel était ton secret? Ce soir, je vais vous donner mon secret. On va parler du tout, ma plolie, tout, comme ceux qui sont très... Évitez le direct, là. Vous savez que Marcoso... Je suis un orgame, je suis dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on fait les trucs, il y a toujours hors série. C'est les Makosso là. Ce soir, il veut frapper fort. À connaît pas. À demander comment rendre sa femme heureuse. Tu es avec une go là. Comment faire en sorte que quand elle se lève le matin comme ça, elle t'appelle mon Seigneur. Et tu regardes, mais tu vendrais Jésus-Christ. Il y a des coachs. Et ce soir, toi-même, faut voir.